Salut et bienvenue sur ma chaîne Roms Soins Beauté Naturelle. Dans cette vidéo, je voudrais t'apprendre à te faire ta crème hydratante toute seule, comme une grande. Et pour ça, tu n'as besoin que 4 ingrédients. Alors, le premier ingrédient que tu as besoin, c'est aloe vera pur. Deuxième, d'huile d'amande douce. Troisième, rosa moschetta. Quatrième, maïzena. Et optionnel, pour ça j'ai dit que 4 ingrédients, parce que comme on sait que rosa moschetta contient vitamine E, aussi d'huile d'amande, donc optionnel vitamine E en plus. Moi je me l'ai mis parce que je veux un peu plus de vitamine plus dans ma crème. Si tu l'as pas, t'inquiète pas, tu as tout ce qu'il faut avec tes ingrédients que tu vas mettre avec moi. Comme tout le monde sache, aloe vera est là. Des vitamines A, vitamine B1, B2, B6 et acide amine. Accède à la cicatrisation, assure contre vieillissement, favorise la production des cellules responsables du renouvellement du collagène, améliore l'élasticité et nourrit la peau. La mienne régule très très bien la peau grasse, c'est très important. Tu te brûles au soleil, tu utilises l'aloe vera. Pourquoi? Parce que l'aloe vera apaise super bien la peau. Après, on va peut-être parler de l'huile d'amande douce. Pareil, elle est très très riche en vitamine E. Pour ça, j'ai dit. 7 capsules sont vraiment optionnelles. Donc, très riche en vitamine E, très riche en protéines et aussi acide amine. C'est la plus puissante antioxydante, améliore l'élasticité de la peau, renouvelle les cellules et fortifie la peau, gomme les signes de vieillissement. Après, vite fait aussi, la rosa moschetta contient vitamine E, vitamine A, vitamine K, si. Et les acides gras essentiels, oméga 3, 6 et 9. Et nourrissante, régénère le tissu cutané, atténue les cicatrices. Oups. Des cicatrices et aide à lutter contre vieillissement de la peau et aide pour la peau qui était endommagée avec l'exposition solaire et hydrate super bien la peau. Après, on parlera un petit peu de vitamine E parce que je l'utilise et si toi tu l'utilises pour que tu saches aussi un petit peu à quoi il te sert. Donc, vitamine E te sert, c'est un super anti-vieillissement, stimule la production du collagène et des protéines et hydrate la peau. Voilà, et maïzena. Maïzena. On la connaît pour cuisiner, c'est aussi farine de maïs, si tu ne le connais pas en mot de maïzena. Celui-là, il ne contient pas de gluten, parfait. Et maïzena, et on riche en vitamine B6, c'est une super anti-ride, éclaircit les taches, nettoie la peau en profondeur, et optimise la production de sérum
et matière une bonne texture de la peau. Donc tous ces ingrédients que j'ai tout juste dit, on a dans cette fameuse crème. Je pense que je ferai une vidéo extra encore où je t'explique un petit peu plus tous ces ingrédients, toutes ces vitamines et tout ça. À quoi ça sert, parce que je ne veux pas que cette vidéo est très très longue. Donc je te le dis tout petit peu un peu raccourci. Alors voilà, maintenant quoi faire? Juste commencer à faire ta crème qui va te bien hydrater la peau. J'ai 46 ans. Donc voilà, ma peau, elle est pas trop mal, je trouve. Donc voilà, on va commencer à faire ça. Et puis, ce que je voulais encore dire, si tu as la peau gras, n'utilise pas d'huile d'amande. Si, mieux utiliser d'huile d'amande, n'utilise pas d'huile de coco. Ça, c'est ce que je voulais dire. Parce que l'huile de coco, elle est très gras. Donc, si tu as la peau gras, la utilise pas. Tu peux utiliser de l'huile d'argan, d'huile d'olive, si tu veux. Si tu n'as pas cette huile à la maison d'amande, utilise ça. Et tu peux remplacer, si tu n'as pas la rose moschetta, tu peux la remplacer par le tea tree. Ça, c'est une huile essentielle, de tea tree. Voilà, et ça aussi, c'est plutôt pour la peau gras. Mais nous, maintenant, avec nous ensemble, maintenant, on va nous préparer avec l'ingrédient, comme je t'ai dit, rosa moschetta, huile amande, vitamine E, si tu veux, maïzena et aloe vera. Ok, on y va. Donc, dans ton récipient, tu vas te mettre une grande cuillère à soupe de aloe vera. Fais-la bien pleine, n'aie pas peur. Okay. Ça, c'est environ 6 grammes. Ok. Aloe vera. Maintenant, on va mettre notre. Notre huile d'amande et rosa moschetta. Et ça, on va utiliser. Petite cuillère, on va mettre moitié et moitié, ok, à peu près moitié petite cuillère rosa moschetta, voilà, à peu près là. J'ai mon chat qui se balade sur la table. Compte, pardon, et moitié cuillère de d'huile d'amande. Voilà. Et comme je te l'ai dit, moi je vais me mettre une capsule de vitamine E. Comme je dis, c'est optionnel, tu l'as pas besoin de mettre, mais moi je la veux, donc je vais me la mettre. Et on se le mélange petit peu. Voilà, on va un peu mélanger, mélanger. Mon chat toujours à table là. Voilà. Vous voyez, ça devient un petit peu blanc. On cuisine pas pour toi, chat par terre. Voilà. Donc, tu vois, la texture, elle commence à être bien blanche. Et maintenant, on va mettre à peu près 3 grammes de maïzena. Je vais dire, c'est une petite cuillère. Je vais aller chercher. Okay.
bien quand je suis dans la cuisine. Une petite cuillère comme ça de maïzena. Voilà. Et on va se le mélanger un petit peu avec ça. C'est déjà. Et maintenant, si tu as un petit batteur comme ça, c'est super bien pour finir par le mélanger. Bien mélanger. Tous les ingrédients sont bien dans ta crème. Donc, on mélange plus d'or que de l'eau. Voilà. Voilà. Et là. Regarde la texture de cette crème. Regarde. Super douce, Tamir l'apporte très 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 douce. Moi je vais, tu vas te prendre un ingrédient. Là ici j'ai encore un petit peu, quand j'ai pas fini, je me l'ai fait hier. Donc je vais me mettre tout le reste de cette crème. Tout là. Dans ma crème. Il faut absolument que tu aies ton petit verre bien bien propre et stérilisé. Oui. Bien, j'ai mis à côté. Le chat qui crie aussi. Voilà. Donc, bien, hein? C'est pas grave. Ça. Bon. Et là, ta petite crème. Très, très douce, très hydratante. Maintenant, je vais te montrer comment tu te l'appliques. Donc, la peau, bien, bien, bien propre. Très important. Ok? Donc, tu te prends un petit peu là, petit peu là, petit peu là, et ici. Donc, tu te l'appliques. Comment tu t'appliques habituellement tes crèmes. Ok? Voilà. Ici. Et aussi sur ton cou. Ok. Tu peux te faire un tout petit massage très très doux. Donc, les deux pouces là, tirer vers le haut. Descendre. Voilà, ça tu peux faire 3 fois. Après, on tourne les yeux. Et sur ton front. Voilà. Et fini. Écoute-moi, si tu as essayé cette crème, écris-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de cette crème? Si tu as des questions, demande-moi, abonne-toi. Si tu aimes cette vidéo, une pouce en haut. Et puis dans la prochaine vidéo, on se reverra, j'espère. Et puis, utilise bien ta crème et j'espère qu'elle va te plaire comme elle plaît à moi et à mes copines qui le connaissent aussi parce que je l'ai préparé. Donc j'espère que tu vas être satisfaite. Alors je te dis à la prochaine.